Bonjour à tous, c'est Petit Guide Rapide sur Dragon's Dogma 2 pour augmenter ses compétences. Dans Dragon's Dogma 2, vous avez l'espèce de symbole ici avec les 4 épées. Vous avez bâton, arche, dague et épée, qui est la guilde des classes. Donc la guilde des classes, une des guildes des classes, se situe tout de suite ici. Donc la guilde des classes de Vermont. Voilà, elle se situe juste à côté de l'auberge. Donc pour augmenter ses compétences, c'est très simple, il suffit d'aller voir le PNJ. Welcome here, we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. Vous pouvez acquérir, équiper compétences, et là, évidemment, vous allez voir qu'il y a pas mal de compétences à débloquer avec des points PC. Il y a aussi la possibilité de débloquer les compétences et d'améliorer les compétences de votre pion principal, pas des pions secondaires, hein, que ça reste bien précis. Voilà, donc vous avez les compétences d'armes, voilà, qui peut être améliorée donc avec le S et avec d'autres lettres en fonction de vos niveaux. Et ensuite, si vous voulez l'affecter, il suffit de prendre œil de lynx, tac, et de la placer où vous voulez sur votre œil. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Au niveau des compétences principales, c'est important aussi de les sélectionner et ça vous permet aussi en combat d'être un peu plus efficace. Et au niveau des talents, vous allez voir que ça va se débloquer aussi, donc c'est très important. Ensuite, il suffit de les sélectionner et puis vous, voilà, c'est vraiment pas compliqué, vous les sélectionnez et c'est fait. Et chaque talent vous apportera un petit bonus sur votre classe.